Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Réveil TV et vous êtes bien sûr en direct sur l'émission Retour à la parole. Comme vous le savez, nous passons, n'est-ce pas, des temps de partage, des temps d'édification, des moments où le Seigneur, des temps où le Seigneur, n'est-ce pas, parle à nos cœurs, le Seigneur nous interpelle parce que la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins et dans quelques temps, n'est-ce pas, dans très bientôt, n'est-ce pas, nous sommes appelés pour ceux qui sont réellement, n'est-ce pas, qui ont réellement reçu autant pour moi, Yahushua comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'en un clin d'œil, n'est-ce pas, nous allons monter à la rencontre de notre époux. Donc, nous allons laisser, n'est-ce pas, tout ce qui se passe, tout ce qui se fait ici-bas, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, pour un but. Nous sommes là pour travailler pour l'avancement du royaume de notre Seigneur et Sauveur. Et pendant ce temps d'enseignement, le Seigneur parle à ses enfants, le Seigneur prépare davantage son Église, n'est-ce pas, par rapport à ce grand jour, vous savez, le jour de l'enlèvement, le jour où les chrétiens vont disparaître, n'est-ce pas, et vont aller à la rencontre de leur Créateur, de leur chéri, de leur papa, de notre papa à tous, Yahushua. Donc, sans plus tarder, n'est-ce pas, avant de rentrer dans l'enseignement, n'est-ce pas, de ce soir, nous allons présenter les moments entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur nous guide. Vous savez, la force nous vient de notre papa, de notre Adonai. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui est capable de pouvoir nous aider à passer de tels moments, à partager ensemble, à nous encourager les uns les autres. Alors prions ensemble. Papa, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci pour ces temps d'édification. Père, nous voulons que tu nous assistes et que ton esprit, Père, soit au contrôle. Papa, tu as dit que ta parole est claire, ta parole brise les jougs. Papa, nous prions aussi que pendant ces temps de partage, Papa, que ceux, celles qui sont malades, Seigneur, obtiennent la guérison au nom de Yeshua, parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, et que ton nom soit élevé. Amen. Alors, frères et sœurs, ce soir ensemble, nous allons partager. Le thème de ce soir, c'est la patience du Seigneur et notre salut. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un temps où beaucoup, n'est-ce pas, ne prennent plus à cœur les interpellations du Seigneur. Vous savez, plus les jours passent, plus nous voyons, n'est-ce pas, les gens meurent, d'autres naissent, ainsi de suite. On voit toujours que c'est les mêmes choses qui se réalisent. Apparemment, c'est les mêmes choses. Au bout d'un moment donné, au bout d'un moment, on peut, n'est-ce pas, perdre l'idée que tôt ou tard, un jour, on finira tous, n'est-ce pas, par se retrouver devant notre Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur jugera chacun de nous par rapport à la façon dont il a marché sur terre. Donc, n'oublions pas, n'est-ce pas, que tôt ou tard, n'est-ce pas, un jour, frère, sœur, alors chacun de nous, n'est-ce pas, devrait rendre compte au Seigneur par rapport à sa vie sur terre. Donc, nous allons lire un passage dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Je crois que les frères de la régie vont m'aider à retrouver ce passage. Voilà, 2 Pierre. Voilà, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, voilà, 2 Pétros, n'est-ce pas, dans la version Bible de Yahushua, voilà, chapitre 3, verset 15, la Bible dit, et considérez que la patience du Seigneur est votre salut. Vous voyez ici, n'est-ce pas, voilà, Pierre nous enseigne quelque chose de fondamental. La Bible dit que le but de la patience, n'est-ce pas, de notre Seigneur, est lié à notre salut, tout simplement parce que le Seigneur ne veut pas qu'on meure. La Bible dit que le Seigneur veut que chaque personne, n'est-ce pas, parvienne à la connaissance de la vérité. Le souhait du Seigneur, c'est que chaque personne soit sauvée. Mais malheureusement, n'est-ce pas, ce ne serait pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont prendre à la légère les interpellations du Seigneur. Il y en a, n'est-ce pas, qui ne vont pas tenir compte, n'est-ce pas, des bienfaits du Seigneur. Et ils vont prendre le Seigneur comme si c'était un papa Noël, comme si c'était un copain. Ouais, tellement que les gens vont s'habituer, n'est-ce pas, à voir la patience du Seigneur se prolonger, n'est-ce pas, dans leur vie. Alors, beaucoup, de moins en moins, n'est-ce pas, vont se laisser interpeller par le Seigneur. Or, c'est un piège.
Voyez, aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup ne comprennent pas que le péché, n'est-ce pas, nous éloigne du Seigneur. Voyez, étant dans le péché, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu prêches la parole, ce n'est pas parce que tu portes une Bible, ou ce n'est pas parce que tu appartiens à une dénomination, frère, que tu seras sauvé, n'est-ce pas, si tu meurs. Ou si Yeshua venait, n'est-ce pas, tu partiras avec lui. Non. La Bible nous demande, n'est-ce pas, de renoncer à notre ancienne vie et de marcher, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Or, ce n'est pas le cas pour beaucoup, n'est-ce pas, de ceux qui prétendent encore être enfants de Elohim. Vous voyez, beaucoup négligent, n'est-ce pas, les interpellations du Seigneur. Beaucoup ne prennent pas en compte, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Et ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles sont en danger. Ouais, ils sont en danger. La Bible est claire. La Bible nous dit que si la patience, n'est-ce pas, du Seigneur se prolonge, mais c'est parce que c'est pour notre salut. C'est parce que le Seigneur ne veut pas nous perdre. Le Seigneur ne veut pas qu'on aille en enfer. Et dans Ézéchiel chapitre 33, nous allons lire un deuxième passage dans Ézéchiel 33. Voilà. On va lire à partir du verset 10. Ézéchiel chapitre 33, nous allons lire à partir du verset 10. Toi donc, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez, on peut enlever Israël aujourd'hui, n'est-ce pas, et mettre à la place d'Israël, dis, n'est-ce pas, à la ville de Port-Gentil, ou encore à la nation gabonaise, ou encore mettre à la place de la maison d'Israël, n'est-ce pas, mettre ton nom, n'est-ce pas, toi qui nous suis aujourd'hui, en fait. Le Seigneur aussi veut parler à ton cœur. Le Seigneur veut s'adresser directement, n'est-ce pas, au cœur de ses enfants. Il dit, toi, donc, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi, en disant, puisque nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et que nous périssons à cause d'eux, comment pourrions-nous vivre? Verset 11, dis-leur, je suis vivant, dit Adonai Yahweh, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Écoutons bien, frère, la parole est claire. La Bible dit que Yahweh, n'est-ce pas, ne prend pas plaisir. Donc, littéralement, le souhait de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas de voir le méchant mourir. Vous voyez? Mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Vous voyez? La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Yahweh ne veut pas la mort du méchant. Et quand on parle de la mort, bien sûr qu'il y a la mort physique. Ça veut dire. Notre âme, notre esprit, n'est-ce pas, quitte notre corps charnel et l'esprit retourne, n'est-ce pas, à Yahweh, comme nous le disent les Écritures. Il y a aussi, n'est-ce pas, quand on parle de la mort, n'est-ce pas, il y a aussi la mort spirituelle qui est la conséquence, n'est-ce pas, de la séparation de l'homme avec son Créateur. Et la cause de cette mort-là, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que le péché. Voyez, Ésaïe 59 nous dit que c'est le péché, ce sont nos péchés qui nous cachent la face de notre Créateur. Donc ça veut dire quand on est dans le péché, spirituellement nous sommes morts, quoique vivants. Ouais, et la Bible dit que Dieu, Adonai, Yahweh, ne veut pas la mort, n'est-ce pas, du méchant. Le méchant, c'est aussi celui qui vit dans le péché. C'est lui qui refuse, n'est-ce pas, de se repentir, quoique son Seigneur, n'est-ce pas, l'interpelle. Mais il ne prend pas en compte les interpellations du Seigneur, mais il continue à mener une vie, n'est-ce pas, qui n'honore pas le Seigneur. Ouais, et le Seigneur avait suscité Ézéchiel en Israël un moment bien donné, un moment bien précis et un temps bien, n'est-ce pas, précis pour interpeller son peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est rendu compte que son peuple s'éloignait de lui, son peuple s'est détourné davantage de lui, n'est-ce pas, pour adorer les idoles, pour se livrer au péché, pour se livrer à la débauche. Alors, et le Seigneur va susciter, n'est-ce pas, Ézéchiel pour parler au cœur de son peuple, pour interpeller son peuple. Et l'interpellation d'Ézéchiel, ce n'est rien d'autre, n'est-ce pas, si ce n'est le retour, n'est-ce pas, vers le papa, vers le créateur. Il dit, revenez, n'est-ce pas, à votre créateur. Vous voyez, Ézéchiel n'a pas prêché l'argent. Ézéchiel n'a pas prêché la dîme. Ézéchiel, n'est-ce pas, n'a pas prêché l'attachement à un lieu quelconque. Non. Ézéchiel, n'est-ce pas, a parlé, a interpellé le peuple, n'est-ce pas, à retourner vers leur créateur. Pourquoi? Parce que le peuple s'était détourné, n'est-ce pas, de leur créateur en se conformant au monde, en marchant, n'est-ce pas, d'une manière impropre, indigne. Ouais, un peu. Et Yahweh va susciter, n'est-ce pas, Ézéchiel, et Ézéchiel, n'est-ce pas, va interpeller son peuple. Et dans ce temps de la fin, frères et sœurs, le Seigneur suscite aussi des voix prophétiques pour parler au cœur de ses enfants. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Et la Bible nous demande de racheter le temps qui nous reste. Vous savez, c'est difficile.
Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est des signes, n'est-ce pas, prophétiques qui sont en train de s'accomplir. Les paroles prophétiques sont en train de s'accomplir. Le retour de notre Mashiach est imminent. Bientôt, n'est-ce pas, nous allons quitter la terre. Ceux qui sont réellement du Seigneur, bien sûr. Et ceux qui s'attardent encore à vivre dans le péché, à cajoler le péché, à cacher des péchés mignons, ils vivront, n'est-ce pas, des choses terribles parce que le monde connaîtra ce qu'on appelle un chaos terrible. Vous voyez? Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le souhait de Dieu, n'est-ce pas, pour nous. Le plan de notre Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous puissions saisir, n'est-ce pas, saisir quoi? Sa parole et accepter de renoncer à notre mauvaise vie et marcher avec Yeshua. Vous voyez? Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, voilà pourquoi le diable a multiplié, n'est-ce pas, beaucoup, beaucoup de choses pour maintenir les gens dans l'ignorance. Vous voyez, il y a beaucoup d'assemblées où on prêche l'évangile de la prospérité, où on prêche l'argent, on prêche les habits. Ça veut dire, les gens viennent, chacun veut montrer combien de fois il s'habille bien. Tout le monde veut montrer chaque dimanche que j'achète une nouvelle tenue, j'achète une nouvelle paire de chaussures. Vous voyez un peu, ça veut dire, les assemblées du bling-bling. Ce ne sont pas les assemblées, n'est-ce pas, que le Seigneur est venu, n'est-ce pas, implanter sur terre. Non, le Seigneur a laissé une église, n'est-ce pas, afin que l'Église soit la lumière du monde. Et la lumière, là, c'est à travers de quoi? La sanctification, la crainte de Yahweh, la haine du mal, la sainteté. Vous voyez? Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que les gens, n'est-ce pas, vivent comme ils veulent, mais lorsqu'ils sont dans des assemblées, chacun joue un rôle. Les gens jouent aux stars. Les gens jouent, n'est-ce pas, au match vu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une confusion. Et ça fait que les gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas assez de moyens pour mieux se vêtir, vous voyez, se sentent lésés, se sentent complexés. Et ils ont même du mal, n'est-ce pas, à aller prier. Parce que ils sont troublés, vous voyez, ils sont parfois gênés. Vous voyez, or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a laissé comme recommandation. Vous voyez, le diable a su introduire, n'est-ce pas, des choses pour édulcorer, pour amener, n'est-ce pas, la puissance de l'évangile à ne plus impacter. Ouais, alors voilà pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, pour, n'est-ce pas, interpeller son peuple, alors il nous ramène tout simplement aux Écritures. Et il suscite, n'est-ce pas, des hommes, il suscite des femmes, vous voyez, pour parler à son peuple. Vous voyez, nous ne sommes pas une dénomination, ni encore moins une confédération. Nous ne sommes pas dans des systèmes établis par des hommes. Non. Nous voulons tout simplement, n'est-ce pas, nous dire à tous que nous sommes arrivés à un temps où chacun de nous doit faire, n'est-ce pas, doit s'examiner, doit retourner, n'est-ce pas, vers son Créateur. Parce que le salut ne se trouve en aucun nom, si ce n'est qu'en Yeshua. C'est ce que nous dit la parole. Nous ne sommes plus là, n'est-ce pas, ce n'est plus le moment de s'attacher aux hommes. Ce n'est plus le moment de s'attacher, n'est-ce pas, à un bâtiment. Encore que les Écritures nous disent que maudit quiconque, n'est-ce pas, met sa confiance dans l'homme. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est plus le moment où nous devons nous attacher aux hommes. C'est le temps, n'est-ce pas, où chaque personne doit chercher à avoir une intimité avec son Créateur afin de savoir réellement ce que le Seigneur attend de toi. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses en ce moment bien précis? Qu'est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Quelle est la volonté que le Seigneur attend que tu puisses, n'est-ce pas, accomplir pour l'avancement de son royaume? Oui, ce n'est plus un temps où, n'est-ce pas, nous devons nous attacher aux choses que nous allons un jour, tôt ou tard, laisser. Oui, un peu. Comprenons que tu sois riche, que tu sois pauvre. Frère, nous sommes tous appelés un jour à laisser tout ce qu'on a pu obtenir sur cette terre. La Bible dit vanité de vanité. Les beaux vêtements, tu accordes tellement, n'est-ce pas, de l'importance aux vêtements que tu dépenses des fortes sommes d'argent. Laisse-moi te dire, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, frère, soeur, un jour, tu seras dans les quatre planches et tous les vêtements que tu as pu amasser là, tu vas laisser. Les termites vont manger, les rats vont les dévorer. Ouais, un peu, s'habiller n'est pas mauvais, mais accorder trop d'importance à de telles choses, n'est-ce pas, alors qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire avec nous, frère, c'est aussi quelque part passer à côté. Et nous sommes arrivés à un temps où, dans des assemblées, c'est beaucoup, n'est-ce pas, le matu vu, le bling-bling, n'est-ce pas, qui frappe des yeux. Combien de fois les gens sont bien habillés, comme ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais, mais nous ne sommes pas là pour nous atteler, nous attacher, n'est-ce pas, à de telles pratiques. Ça nous met en retard. Et Yahweh va dire à Ézéchiel que ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, ou un peu, et qu'il revienne à son Créateur. Et qu'il revienne à son Créateur. Ouais, c'est le temps, n'est-ce pas, où chacun doit s'examiner par rapport à sa vie. Il y en a qui vivent dans le péché, mais qui ne réalisent pas qu'étant dans cette condition,
Ces personnes sont en danger. Ces personnes risquent de passer l'éternité dans un lac de feu en enfer. Alors, si le Seigneur, n'est-ce pas, nous accorde au souffle de vie, ce n'est pas forcément parce que la vie que nous menons, n'est-ce pas, le plaît. Non. La Bible dit que la patience de Yahweh est notre salut. Le Seigneur use de patience, n'est-ce pas, parce qu'il veut que nous puissions prendre conscience. Il veut que nous puissions renoncer au péché. Parce que tout ce que nous faisons, frère, même dans l'endroit le plus obscur, même dans le lieu le plus retiré, le Seigneur nous voit. Rien n'échappe aux yeux de notre Seigneur. Il nous voit tous. Mais il arrivera un temps, n'est-ce pas, où tu te retrouveras devant ton Créateur et c'est lui qui va déterminer l'endroit où tu iras. Voilà pourquoi maintenant, là, nous devons prendre, n'est-ce pas, nous devons prendre des bonnes décisions, renoncer au péché et suivre Yahweh. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, de jouer au jeu. Ce n'est plus le temps de jouer au rôle. Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, d'avoir des étiquettes, d'avoir une attitude pieuse auprès des hommes. Mais alors que dans notre homme intérieur, nous savons qu'il y a des choses que nous cachons. Nous menons une double vie. Ce n'est plus le moment, frère. Ce n'est plus le moment. Même lorsque les fins du mois arrivent, nous allons un peu vers les structures bancaires, vous voyez les rangs, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens, tout le monde veut toucher son salaire. Vous voyez? Même si tu es dernier et que tu es dans le rang, mais il va arriver, n'est-ce pas, un moment où tu te retrouveras devant aussi le guichet, tu vas percevoir ton dû. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Si le Seigneur, n'est-ce pas, continue à t'accorder, à nous accorder le souffle de vie, ce n'est pas parce que nous avons le souffle de vie et que nous voyons, n'est-ce pas, d'autres dans des morgues ou d'autres sur le lit d'hôpitaux que forcément, n'est-ce pas, nous devons, n'est-ce pas, nous enorgueillir. Nous devons penser que nous avons une position, n'est-ce pas, nous sommes favorisés par le Seigneur, nous sommes les chouchous du Seigneur, comme il y en a qui portent même les surnoms chouchous du ciel. Vous voyez un peu? Il dit non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous accorde la grâce d'avoir une longue vie, d'avoir le souffle de vie, voit un peu que forcément, n'est-ce pas, notre vie plaît au Seigneur. Non. Le Seigneur sait, il connaît l'état de notre vie. Mais son souci, n'est-ce pas, c'est qu'on puisse prendre conscience. Voilà pourquoi il permet à ce que l'évangile soit prêché. Et dans 2 Pierre, 2 Pétros, n'est-ce pas, 2 Pierre chapitre 3, on va lire à partir du premier verset. Oui. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Ce sont les passages, moi, personnellement, n'est-ce pas, lorsque je médite, je les lis, ça me donne vraiment la chaleur, n'est-ce pas, au dos. J'ai vraiment, n'est-ce pas, ça m'interpelle. Regardons ce que la parole nous dit. Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par un rappel la pureté de vos pensées. Donc Pierre dit, je réveille. Il dit, par ces paroles-là, la pureté de vos pensées, parce qu'il avait peur que tôt ou tard, n'est-ce pas, les pensées de ces chrétiens-là puissent se corrompre. Au verset 2, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous, qui sommes apôtres du Seigneur et sauveurs. Sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront se conduisant selon leurs propres désirs. Écoutons, frère, ce que Pierre nous dit. Il dit, dans les temps, dans les derniers jours, n'est-ce pas, et nous sommes arrivés dans ces temps, les derniers jours, les temps de la fin, il y a beaucoup de moqueurs. Il y en a qui se moquent, voyez un peu, et qui pensent se moquer du Seigneur alors que ces personnes-là se moquent d'eux-mêmes. La Bible dit, il dit, il y a viendront un temps où il y aura beaucoup de moqueurs. Les moqueurs aussi, n'est-ce pas, sont ceux aussi là, cette catégorie de personnes-là qui jouent des rôles, des gens qui ont une double vie. Il y a longtemps que tu es en concubinage, tu sais que l'homme avec qui tu vis ou la femme avec qui tu vis, vous n'êtes pas mariés. Et la Bible, n'est-ce pas, n'autorise pas les rapports intimes avant le mariage. Mais tu continues à vivre ainsi. Mais toutefois, tu écoutes les émissions, tu es constamment connecté. Mais ce n'est pas le fait que tu sois connecté qui te sauvera. Tu peux suivre Réveil TV de lundi à dimanche, mais si tu ne te repens pas, si tu ne renonces pas au péché, tu meurs comme ça, là, tu passeras ton éternité en enfer. C'est ça la vérité. La Bible dit qu'il y en a, n'est-ce pas, dans les derniers jours, n'est-ce pas, il y aura des moqueurs. Les gens, n'est-ce pas, ils vont se moquer. Quoi que le Seigneur va parler, mais beaucoup vont se moquer. Parce que dans leur cœur, n'est-ce pas, ils vont se faire des idées. Ils vont se faire un petit monde. Ils vont s'imaginer des choses.
Je suis un privilégié du Seigneur. Je suis un enfant bien-aimé du Seigneur. Non, mais le Seigneur même. Vous voyez un peu? Vous savez, il y en a même parfois, lorsque le Seigneur leur fait grâce de se tirer, n'est-ce pas, de certaines situations difficiles de la vie, vous voyez un peu? Ça leur pousse à s'enorgueillir au lieu de saisir l'interpellation. Je me rappelle ce monsieur, ouais, qui était dans un véhicule. Ouais, il voyageait, il allait dans un village au Wellington. Et la voiture a fait l'accident. La voiture, il y a eu un tonneau. La voiture a fait l'accident. Et apparemment, ils étaient au nombre de, je crois bien si je me rappelle, près d'une dizaine de personnes. 9 sont décédés. Il était le seul survivant. Le seul. Quelle grâce. Et au sortir de cet accident, quelques mois plus tard, tout ce qu'il trouvait à dire aux gens, c'était « Non, je sais que je suis un privilégié du Seigneur. Je suis... J'ai une part spéciale dans le corps du Seigneur. » Vous voyez? Ça veut dire que pour lui, il pense qu'il était meilleur, n'est-ce pas, de toutes ces personnes qui étaient dans le même véhicule que lui. Non! Oh, c'était une grâce que le Seigneur l'accompagnait, que le Seigneur le permettait, que le Seigneur l'accordait autant pour moi. Ouais, le Seigneur l'accordait cette grâce pour l'amener à s'examiner. Certainement, sa vie n'était pas meilleure que celle des autres. Mais le Seigneur le connaissait. Et le Seigneur l'a fait grâce. Le Seigneur fait grâce à qui il veut, comme toi et moi aujourd'hui. Le Seigneur nous fait grâce, n'est-ce pas, d'avoir le souffle de vie, d'être en santé. Tu as tes deux pieds, tu as tes deux membres, tu es en santé. Mais ne prends pas ces membres-là, n'est-ce pas, pour les livrer à la débauche, pour les livrer au péché. Non. Il y en a qui jouent des rôles. Ils sont dans des assemblées. En fait, ils se moquent du Seigneur. Vous voyez, tu vas en assemblée, tu portes le nom de chrétien ou de chrétienne, mais tu vis dans le concubinage, ou tu es constamment dans la masturbation, tu consultes les marabouts, ou toi qui dis que tu es chrétien ou chrétienne là, tu vas avec la femme de l'autre, tu sais qu'elle est mariée, mais tu vas avec cette femme. C'est un péché, tu ne pourras pas te moquer, en fait, on ne se moque pas du Seigneur, tu te moques de toi-même. Il arrivera un temps où tout ce qui est caché, le Seigneur mettra ça à la surface. Et c'est là où la face du lion, n'est-ce pas, surgira pour juger tout être humain en fonction des actes que nous avons posés. Alors voilà pourquoi, frère, regardez, si Yeshua a accepté d'aller à la croix, payer un si grand prix, accepter de mourir, n'est-ce pas? C'est parce qu'il savait que le prix, le salaire du péché, frère, est terrible. Donc ce n'est pas le temps de jouer, ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, de jouer des rôles. Vous voyez un peu? Ce n'est plus le temps, n'est-ce pas, de regarder tes finances. Oui, c'est vrai, c'est important d'avoir des finances, oui, c'est vrai. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, que certes il est un homme, n'est-ce pas, de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme, c'est ton âme que le Seigneur veut. Yeshua est mort à la croix, pas pour l'argent, pas pour ton argent, pas pour tes beaux vêtements, pas pour tes maisons. Non, Yeshua est mort, n'est-ce pas, pour le salut de ton âme. Et la chose qui t'éloigne de ton Créateur, c'est le péché. Tu peux autant fréquenter les assemblées, tu peux autant, n'est-ce pas, servir les hommes de Dieu, même si tu les sers, tu balais leur maison, tu balais leur chambre, tu leur donnes des fortes sommes d'argent. Mais si tu es dans le péché, si tu meurs dans cet état, tu passeras ton éternité dans un lac de feu. Et si le Seigneur permet que tu écoutes ce soir cet enseignement, c'est parce qu'il veut te sauver. Il veut te sauver. C'est un Dieu d'amour, c'est un Elohim d'amour. Oui, il nous aime. Mais notre Seigneur aussi est juste. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Yahweh, c'est la vie éternelle en Yeshua. Donc voilà pourquoi, frère, nous devons accepter Yeshua et renoncer au péché, autant pour moi. Renoncer au péché. Ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de jouer des rôles. Ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, d'adopter cette attitude de moqueur. Vous savez, il y en a même qui disent, mais Yeshua vient quand? Il ne peut pas venir maintenant. Nous devons chercher de l'argent pour le recevoir. Vous savez, les gens se moquent des choses qui concernent le Seigneur. Parce que les cœurs s'endurcissent. Le diable possède davantage les humains et il leur pousse, n'est-ce pas, à blasphémer contre leur Créateur. Mais c'est à leur risque et péril. On va continuer la suite, les frères de la régie, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 3. Vous voyez, la Bible dit, sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront se conduisant selon leurs propres désirs et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, toutes choses restent permanentes, comme depuis le commencement de la création. Vous voyez? Ça veut dire, depuis qu'on nous dit que non, Yeshua va venir, Yeshua vient, mais écoutez, les gens ne font que mourir, d'autres naissent, ainsi de suite. Vous voyez? C'est un langage aujourd'hui, n'est-ce pas, qui anime beaucoup de personnes, beaucoup de cœurs. Depuis qu'on nous dit qu'il revient, vous voyez, ça devient comme une blague.
Parfois, c'est un thème de moquerie. Il y en a même qui disent que ne me dis pas que tu vas venir comme le jour est venu de Yoshua. Vous voyez, ça veut dire, regardez, des blasphèmes, des gens qui procurent, n'est-ce pas, de tels propos envers leur Créateur. Frère, ça montre combien de fois, n'est-ce pas, le cœur humain est malade. Combien de fois les gens sont malades. Combien de fois le péché, n'est-ce pas, dérange les gens. Combien de fois les gens sont asservis, sont esclaves. Frère, on va continuer, s'il vous plaît. Au verset 5, car ils oublient volontairement que les cieux existèrent autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Au verset 6, et que par ces mêmes causes, le monde d'alors fut détruit étant submergé par l'eau. Ici, on nous fait un résumé, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à l'époque de Noé. Noé, la Bible dit qu'il était un prédicateur de justice. Noé n'était pas un cupide. Noé ne prêchait pas l'argent. Noé ne prêchait pas un bâtiment. Noé ne prêchait pas un homme. Noé ne prêchait pas un lieu. Noé prêchait, n'est-ce pas, la repentance, le retour à Yeshua, le retour au Créateur. Et la Bible dit que l'attitude que les gens, n'est-ce pas, à l'époque de Noé, ont manifestée est identique à celle que beaucoup, n'est-ce pas, auront dans ces temps de la fin. Les gens se moquaient de Noé. Ils se disaient, Noé, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous dis? Où est-ce que tu as entendu que le monde, n'est-ce pas, va être submergé par les eaux? Tu as vu ça où? Tu as entendu ça où? Vous voyez, les gens se moquaient. Et la Bible dit que, alors, c'est la même attitude, n'est-ce pas, que les gens des temps de la fin, et nous sommes dans ces temps-là, n'est-ce pas, les gens vont avoir le même comportement, ce même langage. Vous voyez un peu? Les gens se moquent, les gens, ça ne leur dit rien. Ils font ce qu'ils veulent. Beaucoup portent, n'est-ce pas, des doubles vestes. Ils ont dans les bâtiments, ils adoptent une attitude soi-disant pieuse. Et quand ils sont dans le quartier ou dans les endroits où ils travaillent, ils vivent comme des païens. Ils vivent comme des païens. Vous voyez, des chrétiennes qui s'habillent comme des prostituées, le bidon dehors, les cuisses dehors, la poitrine dehors, frère, sur le bazar. C'est complètement la confusion. On ne sait plus où nous sommes. Qui est réellement chrétien, qui ne l'est pas? Il y a une confusion, frère, confusion. Parce que les gens jouent des rôles. Les gens adoptent une attitude fausse. Frère, on peut se cacher, voyez un peu, devant les hommes. Mais tu ne pourras jamais te cacher devant ton Créateur. Ton Créateur sait qui tu es. Il connaît la vie que tu mènes. Et si il permet que tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'interpeller. Il veut t'interpeller à quitter le péché. Ouais. Tu prends les papiers hygiéniques de ton, que ton responsable a acheté pour les travailleurs. Mais c'est du vol. Ouais, c'est du vol. Vous voyez, des chrétiens qui sont constamment en retard dans leur lieu de travail. En retard. Vous voyez, des attitudes complètement charnelles. Les attitudes du monde. Il n'y a plus la crainte de Yahweh. Mais c'est des personnes qui remplissent des assemblées. Parfois, tu leur trouves, n'est-ce pas, c'est des chantres. D'autres, c'est des modérateurs. D'autres, c'est des diacres. Vous voyez un peu, des esclaves de l'ivrognerie. Des esclaves de l'impudicité. Des gens qui sont dans la masturbation. Des gens qui ont même des copines. Ouais, un peu dans même il y a des assemblées où des frères et des sœurs couchent ensemble, ils vont ensemble. La chantre là, n'est-ce pas, son gars est dedans là même dans l'assemblée, responsable de la sécurité. Vous voyez, c'est le bazar. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Nous comprenons pourquoi dans Matthieu 24, la Bible nous dit que Yeshua, n'est-ce pas, va sortir du temple. Ouais. Or, le but pour lequel, n'est-ce pas, le temple avait été construit, c'était à cause de la présence de l'arche. Et l'arche était une préfiguration de Yeshua. Mais la Bible dit que Yeshua va sortir du temple. Comme dans beaucoup de nos assemblées, il y a longtemps que Yeshua est sorti. Frère, il est sorti. À cause du péché, il y a un chaos total. Les chrétiennes qui avortent. Elles avortent comme pas possible. Les gens boivent le péché comme s'ils buvaient de l'alcool, comme s'ils buvaient de l'eau. Vous voyez, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et tu trouves ces personnes-là, n'est-ce pas, avec le nom de Yeshua, Jésus à la bouche, Yeshua. Mais tu ne connais pas Yeshua, tu ne le connais pas. La Bible nous dit que la crainte de Yahweh, c'est la haine du péché. Donc celui qui craint Yahweh, n'est-ce pas, doit fuir le péché. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas, de porter ce beau nom et continuer à vivre dans la masturbation. Et continuer à vivre, n'est-ce pas, dans la fornication. Et ou encore dans l'adultère. Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas.
Et on nous a tellement, n'est-ce pas, prêché un évangile qui nous caresse, un évangile qui nous chatouille. Et ça fait de nous aujourd'hui, vous voyez un peu, des robots spirituels, des personnes qui sont complètement aveuglées, des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de foncer tout droit dans un trou, où ils vont souffrir une éternité dans un lac de feu. Des chrétiens qui deviennent des chrétiens gospel, des stars de la musique. Je suis artiste, chanteur, choriste. Vous voyez un peu tout ça là, frère. C'est la confusion. C'est la confusion. Vous voyez, le monde est rentré dans les assemblées des saints. Le monde est rentré dans les églises. Et on ne sait plus qui est réellement enfant du Seigneur et qui ne l'est pas. Et même parfois les païens, quand ils viennent là où les milieux dans lesquels nous sommes frères, ils ont du mal à se retrouver, ils ont du mal. Ils se demandent, mais finalement, il n'y a rien de différent entre ce qui se fait ici et ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce que Yeshua est sorti. On nous a présenté un mélange. On nous a présenté, n'est-ce pas, un évangile qui est centré sur les hommes, un évangile qui est centré sur l'argent, un évangile qui est centré sur la bénédiction. Voilà, venez, 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 venez à Yeshua, vous allez être bénis. Viens Yeshua, tu seras marié. Viens Yeshua, tu vas trouver de l'argent. Viens Yeshua, tu vas trouver le mari. Vois un peu tout ça là, frère. Ça nous a aveuglés et ça a fait de nous, vois un peu, nous sommes spirituellement ivres, des sourds spirituels. Vois, on est ivres. On ne sait plus là où on va. Vous voyez, des soi-disant prophètes, si c'est des prophètes ou des marabouts, qui demandent aux femmes de mettre des morceaux de tissu rouge sur leurs reins. Vous voyez? Pour les séances de prière. Frère, on a vu ça où? Ça, c'est de la magie. Et les gens aiment de telles pratiques. Oui, voilà pourquoi, frère, dans ces boutiques-là qu'on appelle l'église, il y a tellement de clients qui parlent. Pourquoi? Parce que l'homme aime ça. L'homme, les gens aiment ça. Tellement que le péché, n'est-ce pas, est en train de stigmatiser la conscience de beaucoup. Ils aiment, n'est-ce pas, ces lieux. Pourquoi? Parce que là-bas, on ne leur parlera jamais du péché. On ne leur dira jamais que le concubinat, c'est un péché. Que la pornographie sur le péché. Non. On leur dirait forcément toujours que la cause de ton malheur, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta grand-mère. Vous voyez un peu l'évangile du combat spirituel qui est venu détruire, casser les familles. Vous voyez, c'est un évangile, n'est-ce pas, qui sera démonté au nom de Yeshua. L'évangile du combat spirituel est sorti au doigt de l'enfer. Et tous ceux qui pratiquent cet évangile, frères, sont en danger. Vous, nous, ils doivent se repentir. La Bible dit que la chose qui nous sépare de Yahweh, c'est le péché. Tu es dans la masturbation, tu es dans l'adultère. Mais voilà pourquoi tu es tourmenté par les démons. Laisse ta vieille maman tranquille, laisse ta grand-mère tranquille. Le péché que tu mènes, que tu pratiques au quotidien là, ce péché-là, ne sais-tu pas que ça ouvre les portes aux démons? Et le diable bibliquement, n'est-ce pas, a le pouvoir de réclamer, voyez, tout acte qui est lié au péché. C'est écrit dans la parole. Vous voyez, aujourd'hui, frère, il y a la confusion. Il y a la confusion. On ne sait plus qui est qui. Et Yahweh dit à Ézéchiel, fils de l'homme, lève-toi, parle. Vous voyez, le Seigneur a établi des sentinelles. Vous voyez, le rôle de la sentinelle, c'est celui des prophètes. C'est des gens, n'est-ce pas, qui parlent de la part du Seigneur. Et un véritable prophète, n'est-ce pas, ramène le cœur des enfants à leur père. Alors, c'est le temps, n'est-ce pas, pour ceux qui se reconnaissent réellement d'Adonai, de retourner, n'est-ce pas, à la maison. Voyez, on doit sortir du péché. Nous devons renoncer au mal, sortir du mensonge, sortir de l'ivrognerie, sortir, n'est-ce pas, de la consultation des marabouts. Voyez, tu vas consulter les marabouts. Tu vas tout le temps, parfois, dans les lacs de Port-Gentil à faire des bains. Dans le djembé, le mouri, tout cela. Si, même si tu vas en assemblée, peu importe le nom de ton assemblée, qu'elle soit catholique ou protestant, ou bien veillée ou bien quoi, si tu meurs dans cet état, tu vas passer une éternité dans un lac de feu. Tu vas souffrir une souffrance terrible. Et si le Seigneur permet que tu sois encore en vie, que tu écoutes cet enseignement-là, c'est parce qu'il veut te changer. Ce n'est pas les lacs, ce n'est pas le djembé ou le djobi ou le mouri, frère, qui peut te sauver. Rien. Ce qui peut, rien. Même ceux-là qui ont créé le mouri ont fini par. Ils sont morts. Tous sont morts, ils ont été enterrés. Mais la Bible dit qu'il y a un qui est mort le troisième jour. Le troisième, il est ressuscité. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Il règne d'éternité en éternité, de gloire en gloire. Son nom est Yeshua.
En dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de lui, il n'y a point de délivrance. Je suis un témoignage vivant de la manifestation, de la puissance de ce merveilleux Elohim. Il sauve, je peux le tester, je peux le confirmer autant pour moi. Il guérit, je peux le confirmer parce que j'ai expérimenté ce grand Adonai, ce grand Elohim. Il est puissant, frère. Et si tu mets aussi ta foi en lui, tu verras de quoi il est capable. Ce n'est plus le moment où nous devons nous attacher, n'est-ce pas, aux inventions humaines, hein, au charlatanisme, aller faire des incantations dans des forêts ou dans les eaux, ainsi de suite. Non, aller invoquer les esprits des eaux. Toi qui n'enfantes pas, tu vas faire des bains dans les esprits des eaux et tu mets au monde un enfant. Parfois, ce sont des démons qu'on vous met dans les ventres et ce sont ces démons-là, n'est-ce pas, qui viennent vous troubler. On vit un monde où même des enfants violent leur maman. Mais où est-ce que les gens vont chercher ces enfants-là? Parfois, c'est des alliances qu'on va tisser avec le diable. Et en retour, le diable finit par récupérer ce qui est en lui. Et voilà pourquoi on vit dans un monde où les enfants violent leur maman. Pourquoi? Parce que les mamans aussi sont allées faire des alliances avec des démons. Vous voyez, sur le péché. Et quand la situation est compliquée, regarde, c'est Adonai qui t'a créé. Et lorsque l'homme est en difficulté, on oublie de nous tourner vers notre Créateur. On va chercher les solutions à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et quand le diable finit, n'est-ce pas, par nous donner des fausses bénédictions et nous sentons que c'est difficile, nous venons vers le Seigneur pour dire, oh, priez pour moi. Non! C'est trop facile. Ouais, qui est ton Créateur? Vers qui te tournes-tu lorsque tu es en difficulté? Beaucoup ne connaissent plus Adonai, beaucoup ne connaissent plus leur Créateur. Vous voyez? Nous sommes arrivés à un temps où la folie gagne les gens. Les gens sont complètement perdus. Perdus. Nous allons lire la parole. Nous allons regarder dans 1 Roi au chapitre 3. Ouais, un peu. Nous allons lire l'histoire d'une personne, n'est-ce pas, qui a bien commencé avec le Seigneur, ouais, un peu, et que le Seigneur exaucait, mais l'exaucement qu'il recevait du Seigneur n'était pas forcément lié, n'est-ce pas, ne signifiait pas forcément que sa vie était encore agréée ou agréable à Yahweh. 1 Roi, chapitre 3. Si les frères de la régie peuvent nous montrer, peuvent nous mettre ce passage-là. 1 Roi, chapitre 3. À partir du verset 1. Ouais. La Bible dit, « Oh, Shelomo, ouais, un peu, dans d'autres versions, c'est Salomon, le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte, il prit pour femme la fille de Pharaon et la mena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir la maison, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de Yahweh et la muraille de Yerushalayim tout autour. La Bible dit que ici Salomon va faire une alliance, n'est-ce pas, avec la fille du roi d'Égypte. Or, il savait bien, Salomon, n'est-ce pas, que le Seigneur interdisait à ce que son peuple puisse s'allier par mariage avec les nations païennes. Mais la Bible dit que Salomon, lui, il va épouser la fille du roi d'Égypte. Donc, il va poser un acte qui était à l'encontre, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur. Au verset 2, seulement le peuple sacrifié dans les hauts lieux, car jusqu'à là, on n'avait pas bâti des maisons au nom de Yahweh. Verset 3. Shelomo aimait Yahweh. Écoutez bien. La Bible dit que Shelomo aimait Yahweh. Mais devant, la Bible nous dit qu'il est allé épouser la fille de Pharaon, le roi d'Égypte. Mais au verset 3, on nous dit qu'il aimait Yahweh. Frère, mais il y a un souci. Si l'amour que nous devons avoir à Yahweh, n'est-ce pas, nous pousse à le craindre. La crainte de Yahweh veut aussi dire, n'est-ce pas, respecter sa parole, respecter ses commandements. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens ont à la bouche, j'aime Yahweh, j'aime Yahweh, j'aime Yahweh. Mais quand on regarde un peu leur façon de vivre, quand on regarde un peu leur comportement entre ce qu'ils disent, n'est-ce pas, et leur vie, on sent qu'il y a un fossé. Ouais, aimer Yahweh, n'est-ce pas, c'est de vivre selon sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Yahweh et que tu vis comme tu veux. Il y en a qui ont même eu pour femme leur propre cousine. Oui, l'inceste.
Ouais, le péché de l'inceste que tu caches dans ton cœur, le Seigneur te voit. Tu as besoin de te repentir. Oui, l'inceste, tu vas avec ta soeur ou avec ta nièce ou ta cousine, c'est le péché. Même si c'est des pratiques aujourd'hui qui sont, n'est-ce pas, encouragées dans certaines ethnies. Ouais, un peu, mais tout ça, la frère, c'est le péché. Ça nous éloigne du Seigneur. Tu deviens chantre, tu deviens serviteur du Seigneur, mais dans ton cœur, tu sais que tu as pratiqué ou tu pratiques une telle chose, mais tu as besoin de passer par la repentance. Tu as besoin, n'est-ce pas, de régler cela avec le Seigneur parce que tu es malade. Ouais. Aux yeux des hommes, on peut donner une image. J'aime le Seigneur, je fais ceci, je fais cela, je prêche, je voyage. Et si tu, les voyages ou bien les prédications dans les carrefours ou encore dans les quartiers ne pourront pas, n'est-ce pas, te sauver. Ce n'est pas possible. La Bible dit que tout ce qui est caché, ce grand jour, n'est-ce pas, sera mis à nu. Et chacun de nous devra répondre de ses actes devant le Seigneur. Frère Dargé, s'il vous plaît, on peut continuer. Au verset 3, Shelomo aimait Yahweh, il marchait dans les statues de David, son père. Seulement, c'était dans les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le plus grand des hauts lieux. Et Shelomo offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Regardez bien. La Bible, regardez les offrandes, n'est-ce pas, que Salomon, n'est-ce pas, va offrir à Yahweh. La Bible dit 1000 holocaustes sur cet autel. Et Yahweh apparut de nuit à Shelomo, verset 5, en rêve, et Elohim lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Regardons bien. Quoique Salomon, n'est-ce pas, était déjà dans la séduction du péché parce qu'il a contenté un mariage qui ne rentrait pas dans la volonté de Yahweh. Mais la Bible dit que Yahweh va se révéler à lui. Yahweh va venir, n'est-ce pas, dans un songe, dire à Salomon, que veux-tu que je te donne? Demande ce que tu veux. Mais certainement, Salomon, en recevant ce songe, s'était dit que, ah, si Yahweh se révèle à moi, c'est que forcément ma vie le plaît. C'est que forcément je suis agréable à Yahweh. Or, ce n'était plus le cas. Vous voyez, la Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Salomon, n'est-ce pas, dans son cœur, il y avait déjà une semence qui s'était introduite subtilement dans son cœur. Et la semence là l'a poussé, n'est-ce pas, à aimer les femmes étrangères. Or, Yahweh interdisait, n'est-ce pas, ses enfants à se lier avec les femmes étrangères. Et nous savons ce qui s'est passé par la fin. Salomon, n'est-ce pas, a fini par adorer des faux dieux. Salomon a fini par, n'est-ce pas, dresser des autels à Astarté. Au Baal, ouais, un peu, au démon. Il a fini, n'est-ce pas, par offrir des sacrifices au démon. Salomon, n'est-ce pas, qui avait reçu un appel du Seigneur. Salomon qui était visité par le Seigneur. Mais dans son cœur, il n'a pas veillé. Il n'a pas veillé. Tellement que le Seigneur, n'est-ce pas, l'accordait des grâces. Tellement que la présence du Seigneur était palpable dans sa vie. Il arrivait un temps où, dans le cœur de Salomon, n'est-ce pas, il a cru qu'il était particulier, qu'il avait un statut assez particulier, que le Seigneur l'aimait. Et en l'aimant, il s'était permis de tout faire, même jusqu'à aller prendre pour épouse la fille de Pharaon, frère. Et cela a préparé la chute de Salomon. Salomon, voyez un peu, sa fin était, c'était une catastrophe. Et la Bible nous dit que le Seigneur a même suscité, n'est-ce pas, des ennemis. Parce qu'il devait arracher, voyez un peu, il devait arracher à Salomon, n'est-ce pas, voyez un peu, la royauté d'Israël. Voyez, il devait arracher, il a suscité des ennemis. Pourquoi? Parce qu'à bout d'un moment, Salomon n'a pas veillé. Salomon était quelqu'un que le Seigneur avait béni. Le Seigneur l'a doté d'une grande sagesse. Mais au-delà, n'est-ce pas, des grâces que le Seigneur accorde, nous accorde, frère, n'oublions pas que nous devons le craindre, que nous devons le respecter, que nous ne devons pas jouer avec les grâces du Seigneur. Même si le Seigneur, n'est-ce pas, t'accorde des songes, le Seigneur te fait grâce de recevoir des illuminations, des éclairages, tu n'as pas un statut particulier devant le Seigneur, non. La Bible dit que nous tous, autant que nous sommes, frères, nous sommes enfants de Yahweh et nous devons apprendre à craindre Yahweh, fuir le péché, renoncer au péché. Ne plus, n'est-ce pas, collaborer avec des choses
qui nous les choses impropres. Non, nous devons nous mettre à part. On a compris que l'église n'est pas un lieu. L'église, c'est nous. Et l'église, ecclésia, ça veut dire appeler hors d'eux. Le Seigneur nous a retirés du monde afin de nous amener, n'est-ce pas, à vivre, non plus selon le monde, mais selon, n'est-ce pas, les principes du royaume. Oui, ça veut dire, au bout d'un moment, n'est-ce pas, Salomon n'a pas veillé. Il n'a pas veillé. Il a laissé, n'est-ce pas, les bienfaits que le Seigneur l'a accordé aveugler ses yeux. Et dans son cœur, il s'était certainement interrogé, comme toi et moi. C'est-à-dire, ah, vous savez, tellement que quand le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous accorde des faveurs, au bout d'un moment, nous pouvons nous séduire nous-mêmes. On peut commencer à penser qu'on a une position favorable, une position assez élevée par rapport aux autres. On peut penser qu'on a une place, n'est-ce pas, assez particulière. Vous voyez un peu comme la maman des fils de Zébédée qui disait au Seigneur que je veux que mes deux enfants soient assis l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Vous savez, il y en a parfois, vous voyez un peu, ça peut monter dans notre cœur. Ça peut parfois nous monter, frère. Ça peut, parfois, l'ennemi peut nous envoyer des telles pensées où tu vas commencer à te dire que tu es privilégié, que tu as un statut particulier. Frère, tu t'es séduit toi-même. Si tu es dans le péché et que tu ne te repens pas, la mort te trouve ainsi. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il permet à ce que l'évangile soit prêché, que tu écoutes ce message ce soir. Et n'oublions pas aussi, n'est-ce pas, dans la Bible nous parle de 1 Samuel, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Élie, que le Seigneur avait choisi. Mais Élie n'a pas fait preuve, n'est-ce pas, de fermeté face à l'attitude, n'est-ce pas, de ses enfants. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, il y en a, à cause de leur vie, à cause des bienfaits que le Seigneur leur accorde, vont délibérément, n'est-ce pas, se détourner du Seigneur. Ils vont commencer à vivre dans le péché parce que dans leur cœur, ils vont se séduire pour être particulier ou particulière. Mais ils sont en train de se séduire eux-mêmes. Il y a d'autres aussi, n'est-ce pas, à cause du manque de fermeté. Ils vont tolérer l'intolérable et le Seigneur finira tôt ou tard par les vomir. On va lire 1 Samuel chapitre 2. Pour essayer de soutenir, n'est-ce pas, ce qui se dit, 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 14. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. 1 Samuel chapitre 2. Voilà, 1 Samuel chapitre 2. Nous allons, si les frères de la régie peuvent remonter encore un peu plus haut. Voilà, ok. On va lire à partir du verset 12. Voilà, merci Seigneur. Alors, à partir du verset 12, « Or, les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, et ils ne connaissaient pas Yahweh. Et voici la coutume de ces prêtres envers le peuple. » Vous voyez, ça veut dire, les fils d'Élie, n'est-ce pas, avaient le privilège, bénéficiaient du privilège qui était dans la vie de leur père. En fait, Élie était un descendant de Lévi. Et le Seigneur avait choisi, n'est-ce pas, cette tribu pour le servir au temple. Et les fils d'Élie, n'est-ce pas, bénéficiaient aussi, n'est-ce pas, de cette faveur. Mais la Bible dit que c'était des fils de Bélial, donc littéralement, n'est-ce pas, c'était des gens qui avaient la semence du diable. Ils se méconduisaient. Ils avaient une attitude, n'est-ce pas, qui était impropre vis-à-vis du Seigneur. Au verset 13, la Bible dit, et voici la coutume de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un faisait quelques sacrifices, le serviteur du prêtre venait lorsqu'on faisait bouillir la chair et ayant à la main une fourchette à trois dents, verset 14, avec laquelle il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot, et le prêtre prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'ils agissaient envers tous ceux d'Israël qui venaient à Shiloh. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait, « Donne-moi de la chair à rôtir pour le prêtre, car il ne prendra pas de toi de chair bouillie, mais de la chair crue. » Et si l'homme lui répondait, « On va d'abord faire brûler la graisse, et après cela, tu prendras ce que ton âme souhaitera. » Alors le serviteur lui disait, « Quoi qu'il en soit, tu en donneras maintenant, sinon je prendrai de force. » C'est grave le comportement qu'ils affichaient. Verset 17. Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant Yahweh. Car ces hommes méprisaient, écoutez bien, la Bible parle du mépris, méprisaient l'offrande de Yahweh. Vous voyez, les gens méprisent Yahweh. Ils utilisent le saint nom de Yahweh, n'est-ce pas,
pour leurs intérêts. Ils méprisent Yahweh. Au verset 18, Shemuel faisait le service en présence de Yahweh, étant jeune garçon, saint d'un épaule en lin. Sa mère lui faisait une petite tunique qu'elle lui apportait d'année en année. Quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel, Élie bénit Elkana et sa femme et dit que Yahweh te donne des enfants de cette femme pour le prêt qu'elle a fait à Yahweh. Et ils s'en retournèrent chez eux. Et Yahweh visita Shana. Elle conçut et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune garçon, Shemuel, un peu Samuel, grandissait en présence de Yahweh. Regardez, la Bible dit que Élie va bénir le couple. Vous voyez un peu, Shana, Elkana et sa femme, vous voyez un peu, Shana. Et la Bible dit que Yahweh va visiter, donc littéralement le Seigneur, n'est-ce pas, va permettre à ce que Shana enfante. Et Élie, qui n'était plus agréable aux yeux du Seigneur parce qu'il avait une attitude nonchalante vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'attitude de ses enfants. Il n'a pas pris position quant à la vérité. Mais voici Élie qui va prier. Voyez un peu, pour un couple, et le couple là va finir par avoir, n'est-ce pas, par avoir des enfants. Voyez, ça veut dire, regardez, le Seigneur a continué à exaucer les prières d'Élie, mais non pas parce que la vie d'Élie était agréable à lui, mais c'est parce que derrière, n'est-ce pas, ce que Élie faisait, il y avait le plan parfait de Adonai. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire, Élie manquait de fermeté. Élie manquait, il a manqué, n'est-ce pas, d'adopter une attitude de père face à l'attitude, n'est-ce pas, que manifestaient ses enfants. On va lire la suite. Et frère, s'il vous plaît, si vous pouvez nous mettre encore le passage, la suite. Ouais, au verset, la suite, la Bible, Élie, au verset 22, « Or, Élie était très vieux. Il entendait dire comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël et comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation. Et il leur dit, pourquoi commettez-vous de telles choses? Car j'apprends vos mauvaises actions de tout le peuple. » Donc ça veut dire que les gens se plaignaient de l'attitude des enfants d'Élie. Au verset 24, « Ne faites plus cela, mes fils, car ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Yahweh. Si un homme a péché contre Yahweh, qui intervient? Si un homme a péché contre un homme, un autre homme, le juge interviendra. Mais si quelqu'un pèche contre Yahweh, qui interviendra pour lui? Mais ils n'obéirent pas à la voix de leur père parce que Yahweh voulait les faire mourir. Vous voyez un peu? La Bible dit que Élie, vous voyez, va entendre, va écouter, sera informé de l'attitude de ses enfants. Et il va venir réprimander ses enfants. Vous voyez? Or, selon, d'après le Seigneur, vous savez, le Seigneur, notre Seigneur était un Elohim du temps. La Bible dit que c'était un Elohim du temps. Il y a un temps où on peut réprimander, il y a un temps aussi où il faut sévir. Aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de parents sont démissionnaires. Beaucoup de parents, n'est-ce pas, n'ont plus le contrôle, n'est-ce pas, par rapport à ce que font leurs enfants. On vit dans un monde moderne. Le modernisme nous gagne. Le modernisme nous gagne tellement qu'aujourd'hui, nous devenons des irresponsables. Ton enfant de 15 ans amène un copain à la maison et toi tu dis que tu es chrétien et tu acceptes des choses comme ça là, chez toi. Alors que le Seigneur t'a établi responsable, chef de famille. Voyez, ça c'est des attitudes aujourd'hui que nous vivons. Des gens qui sont dans des assemblées, qui portent le beau nom de chrétien, voyez un peu, mais qui n'ont aucun caractère face à des comportements déviants, des comportements néfastes que manifestent ou qu'affichent certains de leurs enfants. Non, aujourd'hui beaucoup ont démissionné, beaucoup ont désisté. Vous voyez, même si ce sont tes enfants qui se comportent ainsi, mais toi, en tant que responsable de famille, il y a une attitude que le Seigneur attend que tu puisses avoir. Si cette attitude-là, n'est-ce pas, nous n'adoptons pas aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas, nous sommes aussi coupables. Parce que nous acceptons, nous tolérons de voir de tels comportements, alors que c'est le désordre. Ce n'est pas normal que les enfants, n'est-ce pas, puissent se comporter comme ils veulent, alors qu'il y a des parents qui sont là. Un enfant de 15 ans, des enfants qui ne sont même pas capables de pouvoir se prendre en charge, qui ne sont même pas capables, n'est-ce pas, d'aller soulever un carton de riz au port, mais amènent des copines à la maison enceintes parce que c'est les parents qui vont acheter le trousseau. Frère, ça c'est le chaos dans lequel beaucoup sont. Et les soi-disant chrétiens pratiquent aussi de telles attitudes. C'est des choses à dénoncer parce que c'est le péché que nous tolérons.
Il y en a même qui aident leurs enfants à avorter. Voilà, ton enfant avorte. Tu savais qu'elle avait un copain, mais tu n'as pas pris position. Mais comme la grossesse est rentrée pour dire, oh non, elle a encore enfant. Quel enfant? Vois un peu. Tu donnes ton argent pour aller avorter, mais tu participes à un meurtre. Aux yeux du Seigneur, tu es coupable autant, n'est-ce pas, au même niveau que ces deux jeunes-là qui ont posé cet acte. Vous voyez, c'est tellement le bazar. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte du Seigneur. Les gens vivent des choses, ils cachent des choses. Des choses sont cachées dans les coulisses, cachées. Des avortements. Vous voyez un peu le péché, les choses horribles qui se font, des pratiques abominables. Et on adopte une attitude fausse, une attitude pieuse aux yeux des hommes. Frère, nous sommes en danger. Voilà pourquoi Yahweh va dire à Ézéchiel, parle aux enfants d'Israël. Parce que le Seigneur s'était rendu compte qu'au bout d'un moment, n'est-ce pas, le peuple israélien était tellement aveuglé parce que le péché les dominait, n'est-ce pas, le péché, n'est-ce pas, les écrasait. Ils ne comprenaient plus, ils étaient perdus. Alors c'est comme s'ils avaient besoin d'un réveil, c'est comme des gens qui sortaient du coma. Ils ne savent plus où ils sont. Ouais, nous sommes dans un monde où, ouais, un peu, le péché bat son comble. Les gens marchent nus. Les parents sont dénudés au salon, en calicif. Les mamans viennent avec les tissus, avec les soutiens-gorge, tout ça. Et, vous voyez, c'est un monde de nudistes. C'est la nudité. Et les dimanches, on porte des beaux habits. Tu vas où? Je m'en vais à l'église. Tu vas prier qui en te comportant ainsi? Ne crois-tu pas que le Seigneur te voit chez toi? Mais il te voit. Il voit tout ce qu'on fait. Les yeux du Seigneur ne sont pas seulement fixés sur nous lorsque nous sommes dans des bâtiments qu'on appelle par but de langage église. Non. Mais partout là où nous sommes. Le Seigneur voit comment tu critiques ton responsable, ton chef, ton patron. Tu parles mal de ton directeur. Tu le critiques. Or, la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Ouais, le Seigneur connaît, il nous voit. Ouais, nous nous retrouvons dans des mêmes situations que les païens. Frère, ça, ce n'est pas l'église que Yeshua viendra chercher. La Bible dit que Yeshua vient chercher une église sans tache ni rien ni semblable. On va terminer par Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Nous allons ensemble lire. Et je crois que la parole de Yahweh nous fait du bien ce soir. Alors, regardons ensemble ce qui est écrit. Frère, toi qui es connecté, lis la parole de ton Créateur. La parole de Yahweh nous dit, dans Ecclésiaste 8, 11, « Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, à cause de cela, le cœur des fils de l'être humain se remplit en eux de l'envie de faire le mal. » Est-ce que c'est parce que, n'est-ce pas, le Seigneur tarde de sanctionner les œuvres que nous pratiquons, qu'il ne voit pas? Mais non, détrompons-nous. Le Seigneur connaît tout ce qu'on fait. Le Seigneur voit. Il n'y a rien qui l'échappe. Il voit tout. Mais il use de patience. Et la patience de Adonai n'est non plus un signe de faiblesse. Mais s'il use de patience, c'est parce qu'il veut te gagner. Il veut nous gagner. Alors, frères et sœurs, repentons-nous. Arrêtons de jouer des rôles. Laissons le péché, le concubinage. La Bible dit tout acte sexuel hors mariage, c'est un péché. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Toi qui m'écoutes, tu trompes ta femme ou tu trompes ton mari. Si tu ne te repens pas, tu es en danger et tu as besoin d'écouter cela aujourd'hui. Toi qui vas consulter les marabouts, toi qui as désisté, tu as abandonné tes enfants à la traîne, ils sont à la rue. Tu as complètement, n'est-ce pas, abandonné ton rôle de parent, de père ou de mère. Rassure-toi, même si tu payes autant d'offrandes dans une assemblée où tu te fais dépouiller par ces prophètes de malheur aujourd'hui qui volent de l'argent, qui dépouillent les hommes, ainsi de suite, tu pourras payer autant d'argent. Mais à cause de ton incapacité de pouvoir prendre, n'est-ce pas, en charge, en compte, les enfants que le Seigneur t'a confiés, tu te retrouveras devant ton Créateur et le Seigneur te demandera des comptes. Parce que la Bible nous dit que les enfants sont un don de Yahweh.
et nous ne devons pas les maltraiter, les gérer comme aujourd'hui, comme le monde fait. C'est-à-dire, les enfants font ce qu'ils veulent, ils suivent tout, la pornographie, ils boivent, ils fument, on n'a plus rien à dire, on a désisté. Cette attitude-là, c'est la même attitude qu'Élie a eue. Et la Bible dit que les jugements de Dieu sont tombés dans la vie d'Élie, ainsi que dans sa famille. Frère, c'est le temps où nous devons nous repentir. Beaucoup de foyers sont cassés. Beaucoup de vies sont brisées. Les parents ont désisté. Les enfants font ce qu'ils veulent. Ça, c'est du désordre. Nous devons revenir aux Écritures. Il faut, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de parents ont perdu l'autorité. Pourquoi ? Mais parce que vos vies ne sont pas conformes à la parole de Yahweh. Si ta vie est liée au péché, c'est normal que les enfants dominent sur toi. Revenons à la source. Si tu reviens à ton Créateur, le Seigneur va restaurer l'autorité. Et lorsque tu parleras aux enfants, ils vont craindre parce que la puissance de Dieu travaillera au travers de toi. Et ça va apporter, n'est-ce pas, l'ordre au sein de ta famille. Frère, c'est le moment de revenir, n'est-ce pas, à la maison. C'est le moment, n'est-ce pas, de faire la paix avec notre Créateur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va restaurer tout ce qui a été terni par le péché. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il y a une femme qui suit en ce moment-là. Tu as un problème au niveau de ton sein. Il y a une boule qui est là. Le Seigneur te guérit, guérit cette boule. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Sois guéri. Tu es guéri. Notre Seigneur est le même. Hier, aujourd'hui, il ne change pas. Il guérit, même au travers des émissions comme ça. Tu n'as pas besoin de l'huile ou bien de l'eau. Rien que par cette parole qui est libérée, si tu crois, tu me suis. Il y a une boule là, au niveau de ton sein gauche. Le Seigneur me dit tout de suite là, n'est-ce pas, qu'il t'est guéri. Il t'est guéri parce que tu as été touché. Tu es en larmes. Le Seigneur a parlé à ton cœur. Cet homme-là n'est pas ton homme. Vous n'êtes pas marié. Renonce au péché. Quitte cette vie. Cette vie-là, n'est-ce pas, n'est plaire pas au Seigneur. Le Seigneur a prévu des meilleures choses pour toi, mais ne retarde pas l'accomplissement du plan de Yahweh dans ta vie en t'enlivrant au péché, en restant là dans cette situation-là. Laisse, tu ne mourras pas. Le Seigneur, il dit dans sa parole, si les oiseaux du ciel mangent, le Seigneur prend soin des oiseaux du ciel. À combien plus forte raison l'homme crée à son image. En quittant cet homme, tu ne mangeras, tu ne souffriras pas. Le Seigneur va te démontrer combien de fois il est capable de pouvoir s'occuper de ses enfants. Comment est-ce qu'il peut prendre soin de ses enfants. Mais renonce au péché. Renonçons au péché et nous allons réaliser, expérimenter la fidélité et l'amour de notre Adonai. Que la paix et la grâce soient avec nous au nom de Yeshua. À très bientôt. Shalom.